parti. Et si on enchaînait sur un défi? Il parle en muet, son live Facebook. Allez, jingle, je vous enchaîne sur un... C'est pour toi Thierry en plus. Ouais, un défi, encore ouais. Un jeu. Mais putain, allez vous coucher, bordel. Dis-moi. Les défis de canard. Non, même pas. On va faire nos chers voisins game. Ouais. Est-ce que ça te branche? Ouais, vas-y. Le but est simple. Attends. Je suis assez joueur, tu vois, dans mon style. Je trouve la petite musique de nos chers voisins et on enchaîne. Vas-y. Tu dois me dire tout simplement à quel comédien correspond les dites descriptions. Ouais. Prêt ou pas? Ouais, d'accord. Alors, qui est, hors personnage, le plus radin? Moi. C'est toi. Aymeric Dubernay à carton. Ok, tout va bien. Suivante. Qui ne paye jamais son café? Dans les comédiens, du coup, hein, pas forcément... Dans les comédiens, ouais. C'est comment, à mon avis, ça doit être Jean-Baptiste, Alex. D'accord, Alex. Ok, ça me va. C'est ça? Ouais, ouais. Bah écoute, oui, d'accord. C'est toi qui es le mieux placé pour le savoir. Ouais, en fait, y a pas la réponse. Ah, hein, tu me demandais la réponse. Ah, mais tu me demandais dans la série ou dans la vie? Dans la vie. Ah, dans la vie. Oui, dans la vie. Ah, dans la vie. Ah oui. Dans la vie. Dans la vie, ouais, je dirais Alex. Ok. Donc, Jean-Baptiste. Qui est tout à fait opposé dans la vraie vie à son rôle? À son rôle? Ouais. Ou de son rôle, je sais pas comment on dit. Ouais, je dirais Gilles Alma. Gilles Alma? Ouais. Donc, ouais. C'est-à-dire du coup? Bah parce que dans le film, il m'avait fait un mec un peu beauf, exact. Beauf machin chouette, et je trouve que c'est un mec plutôt fin, plutôt généreux, plutôt bien. Voilà, donc je trouve que c'est décalé. Ouais. Ok. Dans la vraie vie, avec qui as-tu le moins de complicité? Dans la vraie vie. Moi, j'ai de complicité. J'ai de la complicité avec tout le monde. On a tous. Bon alors, peut-être. Si tu veux pas balancer. Joy. D'accord. Joy. Ok. Voilà. Joy Esther. Exact. Ouais. Qui est le moins sociable avec l'équipe technique? C'est vraiment des questions à la con, je veux dire. T'as un joker ou pas? On est une super équipe. D'accord, on s'adore, on aime se retrouver, on aime faire la fête ensemble. Ils posent des questions à la con, mais c'est ça les médias actuels. On cherche la merde. On essaie de faire du buzz avec du bas, tu vois. Au lieu d'essayer de faire le buzz avec de la lumière, avec du haut, avec du chaud, avec du grand, avec du sublime. Ça, putain, ça te donne envie de tout péter. Putain, j'ai mal, ça me fait mal, quoi. Qui s'en va directement après une journée de tournage? Directement? Ouais. Bah écoute, il y a les voitures qui nous attendent en bas, on se casse. Directement? On se casse, ouais. Ok. Alors le vendredi soir, on boit un pot avec les techniciens. Ouais. Et puis de temps en temps, on peut faire une fête organisée soit par les comédiens, soit par les techniciens. Donc voilà. On peut venir. Fait la teuf. Écoute, ouais, pourquoi pas. Je veux dire. Non, en fait, non. Non, viens pas en famille pour être sympa, mais non, sympa. Dites ce que vous pensez, ouais. T'as envie de dire non, tu dis non. Pourquoi tu viens? Ça va. Qui paye souvent son café? Qui paye souvent son café? Ouais. Bah j'ai envie de dire moi, parce que tu vois, comme je fais un direct sur Facebook, comme ça, les amis, ouais putain, il paye souvent son café. Et qui paye souvent son café? Tout le monde paye son café. Tout le monde a envie de payer le café, en fait. Okay. C'est ça. C'est pour ça que c'est une série géniale et que c'est une équipe vraiment géniale. Mais je rappelle qu'en ce moment, je suis avec mon one man show à la Comédie Saint-Michel. On passe du jeu à la promo direct. Et dans un spectacle qui s'appelle Parcours du combattant, je suis venu. Je suis venu pour ça aujourd'hui et je savais en fait que qu'on ferait tout pour casser ma promo. Et ta promo, tu l'as fait en début d'émission, tu l'as refait là. Attends, l'émission n'est pas finie, tu vas la refaire super mal. Tu vas la refaire 4-5 fois, t'inquiète pas. Tu sais très bien que l'émission, tu vas la faire pour un truc et finalement tu la fais pas et ça. Bon, et pour finir, dernière question, si un rôle de chauve hyperactif se présente, tu penserais à qui? Un rôle de chauve hyperactif? Ouais. De chauve hyperactif. Ouais. Ouais, moi je pense à Sapin. Michel Sapin, le ministre, tu vois, le mec a une tête comme ça, ouais. Et qui comme chauve hyperactif, ouais, moi je pourrais très bien être un chauve hyperactif. Hein. Je vais chercher ma tondeuse alors.